Donc Cultura, donc plusieurs activités culturelles au sein d'une sous un même toit. Donc là, on est sur la partie libre, à l'entrée du magasin, donc qui est le gros parti pris de l'enseigne. S'en suit ensuite d'ailleurs ce qu'on appelle musique, vidéo, loisirs numériques. Ensuite, un secteur porteur tout nouveau dans l'enseigne qui est l'instrument de musique. Donc on a de la chance sur un format de magasin de 2 mètres carrés d'en avoir. Et ensuite, une grosse partie loisirs créatifs. Donc papeterie, loisirs créatifs adultes, enfants, jeux, jeux de société. Ensuite, scrapbooking, scrap cooking, beaux-arts, un beau rayon beaux-arts. Et mercerie qui est aussi un nouveau parti pris de l'entreprise. Donc on a la joie de proposer un beau rayon laine et perlerie. Une prestation de service avec un atelier donc qui est maintenu par Charlotte, notre animatrice, qui propose en fait des mises en place de projets individuels, décorations. On arrive, on a une idée, on veut découvrir, on veut faire une décoration d'abat-jour par exemple. Paf, on fait l'atelier avec Charlotte. C'est pour les petits aussi bien que pour les grands. Merci, s'il te plaît.